Cal Wade. Ça fait un an que votre album, donc La Cuisse de Miro, est sorti donc en mars 2014, l'année dernière. Et vous avez fait pas mal de concerts donc en France, enfin, nord de la France, Belgique, Angleterre. Et qu'est-ce que cette tournée, tous ces concerts vous ont apporté? On a rencontré pas mal de monde, des groupes vraiment géniaux. Je pense en premier lieu à Aounia, groupe britannique, et Lost Effect. On a aussi rencontré d'autres groupes locaux en France et en Belgique. Comme l'expérience aussi. Enfin, c'est beaucoup d'expérience tout simplement aussi. Beaucoup d'expérience avec les concerts, etc. Disons différentes salles. À différentes conditions aussi, on a pu expérimenter beaucoup de choses et s'améliorer aussi au fur et à mesure des concerts. Et puis ça permet surtout d'apprendre à jouer vraiment ensemble, et ça c'est beaucoup de partage aussi entre nous, c'est quelque chose qui fait que le groupe est vraiment un groupe, et ça c'est très très important. Vos projets pour les prochains mois? Beaucoup d'écriture, parce qu'on a envie de sortir un deuxième album le plus vite possible, et un clip. Un clip histoire de montrer aux gens un petit peu que Wade c'est pas que de la musique, mais c'est aussi tout un univers qui passe par des images. Et niveau projet perso, vous avez des projets hors Al Wade ou éventuellement Pas particulièrement, non. Vous êtes vraiment pro Al Wade? Oui. Oui, tout de même. Oui, oui, quand même, ouais. Pas mal, oui. Ok. Un petit mot pour vos fans? Mais on existe uniquement grâce à vous, donc merci du fond du cœur et soyez toujours plus nombreux et continuez à écouter de la bonne musique, à écouter plein d'autres groupes parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui se font qui méritent d'être découvertes. Merci.